Tout le monde le faisait, je voyais des copines, des gens avec des petits copains. Je me disais, bah, moi aussi je dois avoir un petit copain, parce que deux fois tu vas être là avec ta copine et un petit copain, t'en as pas. Elle te raconte des histoires, en fait, t'as rien à lui dire, en fait. T'as besoin, enfin, tu dis. Quel âge, d'après toi, est l'âge idéal pour avoir un petit copain ou commencer une relation amoureuse, quand même assez sérieuse? Pour moi, c'est 19 19 ans, et ans. Ouais. pourquoi? Parce qu'à 19 ans, t'as plus d'intelligence et t'as plus d'exemples et d'expériences autour de toi. Pour moi, c'est par après, tu veux que c'était vraiment important d'attendre. Parce que trop tôt, on n'a pas le temps de. Parce qu'on a des priorités avant, en fait, tu peux dire. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, avant 19 ans, par exemple, n'a pas, enfin, et plus, comment je pourrais dire, et ils ont plus de sentiments, ils sont plus affectueux, en fait. Ils se basent plus dans une relation que dans sa propre vie, par exemple. Par exemple, il y a des filles qui oublient leurs études, d'autres choses, ils pensent plus à leurs copains qu'aux études. En fait, leur copain, leur relation devient une priorité. Ça m'arrivait deux fois, par exemple, de sécher les cours pour aller voir mon copain, par exemple, parce que les parents, deux fois, tu pourras pas dire à ta mère, oui, maman, je suis allée voir mon copain. Elle dira non, donc deux fois, tu en profitais quand tu allais à l'école pour sécher, par exemple, une journée et puis aller voir ton copain au lieu d'aller à l'école, en fait. Et ça, c'est une chose que t'interdirais à une Oui, plus je jeune dirais, toi. j'interdirais par exemple à ma fille plus tard ou à mes petites soeurs qui sont après moi, je leur dirais de plus se focaliser aux études et à leur projet que de se focaliser à leur relation. D'accord. Bah, je dirais de prendre tout d'abord son temps, de prendre son temps et de plus se focaliser à sa vie, ses projets, ses études. Avant de penser à une relation. Parce que tout ça, la relation amoureuse, ça vient après, en fait. Parce que on est des filles, dans la vie, c'est obligé que tu auras un copain, c'est obligé que tu auras une relation amoureuse. C'est pas en commençant tôt que ça va. Enfin, ça qui va te dire oui, je vais avoir une relation amoureuse, c'est même après, c'est écrit que tu vas avoir un copain. En fait, pour moi, c'était. Pour moi, si je voulais vraiment revenir en arrière, c'est vraiment de. Aller à l'école, faire mes études et puis relation amoureuse après, quoi.